vous allez bien? Alors aujourd'hui je vous retrouve pour faire la structure de l'album photo. On va commencer par l'accordéon. Hop. Sur la reliure accordéon. Donc il nous faut une feuille de 23 sur 18. Je vais faire un pli à 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 et à 14. Et elle est coupée après à 18. Donc 23. Je fais un pli. À 4. À 5, à 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et je coupe à 18. Voilà. Alors, je prends le deuxième pli et je viens plier comme ça. Je laisse un pli, je prends le deuxième. Ça me fait ça. Je laisse un pli, je prends celui d'après. Et j'en ai trop fait. Pourquoi j'en ai trop fait? J'ai fait un pli de trop. Bon, c'est pas grave parce que de toute manière, ça sera sous la page, donc on verra ça. Voilà, il faut qu'il y ait trois, puisqu'on a trois pages, qu'on ait trois trucs là pour pouvoir coller nos pages de l'album. Donc ça, ensuite on met de la colle ici, mon tube de colle. Hop là. Et voilà, les trois sont collés. Je mets de côté pour que ça sèche. Ensuite, il va me falloir deux cartons de 25,5 par 20,5. Un carton de 25,5 par 4. Deux papiers déco de 25,3 par 20,3 et une feuille déco de, je l'ai perdue,
une feuille d'écho de 25,3 par 3,8. Alors, dans deux pages, je vais venir coller. Je vais venir prendre mes cartons. De deux, j'en aurais pas assez. Hop. Peut-être pas en mettre une entière. Et je vais venir coller mes trois cartons. Là, j'ai refait mon accordéon, mais avec du papier fleuri. Et j'ai oublié de le coller. Contre, avant de le couler, je vais regarder que mes feuilles rentrent dedans. Parce que si ça rentre pas dedans, hop, c'est embêtant. Je viens couper
les angles en biseau. Hop. Je vais prendre une page. Donc, je vais les prendre les trois parce que hop, s'il y en a une qui rentre pas. Et je regarde que mes pages rentrent dans. Là, c'est bon. Pour le moment, je les colle pas. Hein. Juste, je regarde si ça rentre. Là, c'est bon. Et un peu. Celle-là, c'est bon. Donc, hop, allez. Du coup, je peux les coller dans ma structure. Donc, je vais coller l'accordéon. Alors là, je suis un peu généreuse en colle hein, parce que il faut que ça tienne, hein, quand même. Donc, youp. J'essaye de centrer. Il ouais, faut que je monte un peu. Là, ce que je devrais être pas mal. Bon, je vais regarder avec une si je suis bien. Ce serait bête que la page elle dépasse en haut. Ouais, c'est bon. Hop là. Donc là. Ça me fait ça. Donc là, je vais venir coller ma première page ici. Je vais l'ancrer.
Et ici, je vais aller chercher mon ruban quand même, avant d'oublier. Voilà. Hop. Donc 25, ça me fait 14 et demi, ça va faire vers ici. On dirait 14. Je vais coller l'autre côté à y être, hein, comme ça c'est fait. Hop. Voilà, allez. Et là, je vais venir coller ma page. J'ai pas mis de colle sur le ruban. Ouais, je l'ai collé à l'envers. Je l'ai collé à l'envers. Je l'ai collé à l'envers. Oh, punaise. Incroyable ça. C'est ça, hein. Oui. Si en plus je fais n'importe quoi. Ma page de derrière.
passer. Donc ça c'est la dernière. La deuxième, la première. Et pour la page de derrière, j'ai fait un papier de 13 sur 13,5. Ça c'est le papier déco. Non, le papier déco, il fait 12,5 sur 20,5. Et là, j'ai fait un papier. C'est une feuille à 4. C'est une feuille à 4. J'ai fait un pli à 13 et un pli à 13,5, tout simplement. Et je vais venir, hop, comme ça, faire mes petits angles. Hop. Dans celle-là, je vais faire celle-là. Et là, je vais juste faire les arrondis. Je vais ancrer. Je vais venir coller ma page. Alors j'étais en train de me dire, est-ce que je me mets un petit bout de ruban là pour pouvoir je vais regarder ce que ça donne pour tourner la page. Plutôt que de mettre un embellissement, ça pourrait être pas mal de mettre un petit truc comme ça. Ouais, j'aime bien. Allez, hop.
Voilà, et je vais venir coller ma page ici. Hop, juste sur le petit demi-centimètre. Ah punaise, qu'est-ce qu'elle me fait la page là. Ça m'a arraché un petit bout de papier là. Et je vais venir coller mes pages là. Alors, j'ai fait la cradingue. Hop, je vais les coller et après je vais laisser un peu sécher et je vous reprends après. Alors, pendant que ça sèche, là j'ai pris deux feuilles
deux feuilles déco de 25,3 par 20,3 et je vais venir la coller là devant. Et je l'ai pas ancré, donc je vais ancrer mes feuilles, je reviens et je vais couler mes feuilles. Hop, je collerai sur le côté et derrière également. Après, je me suis fait un cadre comme ça là. Hop, je vais venir le mettre là. Je me suis fait plein de petites fleurs là dans mes chutes de papier. Hop, et je vais regarder ce que je vais mettre. J'ai envie d'en mettre quand même. Alors, ce que j'en mets sur le milieu. Je sais pas. Je sais pas trop comment je vais les disposer. Bon, pour le moment, ça, là, c'est sûr. Là aussi. Et là, pourquoi pas mettre, hop, ça, avec des fils qui pendouillent. Je vais voir ce que ça donne si je mets des petits fils qui pendouillent. Évidemment, ça n'a pas filmé. Hein. Donc, j'ai collé mes fils dessous le cadre. J'ai collé mes fleurs là avec la colle chaude. Et je colle celle-là aussi avec la colle chaude. Je vais coller celle d'en haut. Là, j'ai le petit mot album. Je vais venir le coller en bas. On va peut-être dû prendre mon mini pot de colle là. Voilà.
Alors, voilà, l'album est terminé. Voilà, j'espère que le tuto vous aura plu. Sur ce, je vous fais de très gros bisous. Je vous dis bonne journée et bon scrap. Et à très bientôt pour un prochain tuto. Je vais essayer de filmer sans faire tomber la GoPro parce qu'elle n'a pas trop envie de tenir comme ça. C'est pour vous montrer. Alors, c'est exactement les mêmes pages, mais c'est pas le même papier. Et... comme ça, vous allez voir le rendu des deux albums avec les mêmes pages. Donc là, on retrouve la pochette ici et la page là. Là, on retrouve l'accordéon, la cascade. Là, je l'ai fait dans l'autre sens, mais c'est le même. Là, la page là. Là, on a la page ici avec les mains là. Pareil pour celui-là. Là, on a les deux fiches. Là aussi. Là, on a la cascade également. On a ici avec la pochette transparente. Là, avec la flipette. Et pour mettre la photo dans le cadre également. Là. Mince, j'avais pas fait gaffe, j'ai pas mis l'embellissement au bon endroit. Je vais changer. Et là, pareil. Ensuite, là, on a les deux pages et les deux et la pochette. Là, on a la cascade. Et là, on a pareil. La page là. Donc deux albums totalement identiques avec les pages que j'ai fait, mais le papier complètement différent. Donc on peut faire cet album avec le papier que l'on souhaite. Il faut juste après adapter. Les deux me plaisent beaucoup. J'avoue, j'ai une préférence pour celui-là parce que le papier est vraiment juste magnifique. Et celui-là, il est quand même beau aussi. Hein. J'aime beaucoup le rendu final. Voilà les filles, j'espère que ma présentation de mes albums vous plaît, que les deux vous plaisent.